Salut, salut, bienvenue sur la chaîne InfoAssist d'Abidjan pour vous présenter une nouvelle application. J'espère que vous allez super bien. Désolé pour l'heure, mais lorsque j'ai trouvé cette application, je me suis dit qu'il valait vraiment la peine de vous la présenter. Voilà, l'application que je vais vous présenter cette nuit, grâce à cette application, personne ne pourra déverrouiller votre téléphone en votre absence. Voilà, c'est une application qui est vraiment utile et va vous permettre vraiment de garder votre confidentialité, même si vous n'êtes pas là. Donc déjà, si tu viens à peine de découvrir ma chaîne, je t'invite déjà à t'abonner et aussi de ne rien rater de mes nouvelles vidéos en laissant un petit pouce bleu sur cette vidéo. Et aussi, n'oublie pas d'activer la petite clochette qui est juste à ta gauche. Voilà. Donc déjà, comme je le disais, l'application en question se nomme CouchGram, comme vous le voyez sur mon écran. Voilà, grâce à cette application, personne ne pourra déverrouiller votre téléphone en votre absence. Donc, pour télécharger cette application, c'est tout simple. Vous allez vous rendre sur Play Store ou Apple Store. Ça dépend du téléphone. Moi, j'utilise un téléphone Android, donc Play Store. Et vous allez taper dans la barre de recherche CouchGram, comme c'est marqué ici. Vous allez venir ici et vous allez taper CouchGram. Comme c'est marqué, vous allez lancer la recherche et là vous allez appuyer sur le premier et vous allez télécharger l'application. Vous allez voir télécharger ici l'application. Voilà, une fois téléchargé, vous allez rentrer dans l'application en question. C'est le logo qui est là avec genre des petits oiseaux. Une fois dans l'application, vous allez activer le petit truc qui est là. Là, vous allez activer. Voilà, vous allez tirer pour venir. Et lorsque vous allez tirer, lorsque vous allez faire pour la première fois, on va vous demander d'autoriser les autorisations. Vous allez autoriser tout et vous allez vous rendre ici. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 modèles qui se présentent à vous. Donc vous allez choisir le modèle que vous voulez. Moi, par exemple, je vais prendre mode de verrouillage à 2 chiffres, par exemple. Vous pouvez prendre 2 chiffres, vous pouvez prendre 4 chiffres. Voilà. Donc à 2 chiffres ou bien 4 chiffres, ça dépend de vous. Voilà. Il y a aussi le mode icône qui dépend aussi de vous. Bon, je vais choisir le mode icône. Je vais choisir cette icône-là. Et je vais sélectionner un bouton. Je prends le 1. Je prends le 1. Et je prends le 2. Tout simplement. Je prends la femme et le chat. Tout simplement. Et je fais suivant. Dévoyer pour répondre. Et je fais reprendre un appel d'essai. Voilà. Lorsque votre téléphone va sonner, ça va se présenter comme ça. Et on se rappelle bien que j'ai choisi la femme et le chat. C'est une fois avoir choisi ça que je vais voir qui est en train de m'appeler et je vais pouvoir décrocher ou pas. Voilà. Donc c'est tout simple. Donc c'est comme ça. Donc à chaque fois que votre téléphone va sonner, ça va se présenter comme ça. Donc je vais appuyer sur. Voilà, à chaque fois que votre téléphone va sonner, vous allez rentrer le mot de passe que vous avez mis. Comme on se rappelle, il y a plusieurs mots de passe. Moi, j'ai choisi ce mot de passe-là. Il y a changer le mode. Il y a aussi le mode à deux chiffres. Voilà, je peux mettre 1, 3 et je fais 1, 3 tout simplement. À chaque fois que mon téléphone va sonner aussi, je vais mettre le code que j'ai mis, 1, 3, pour pouvoir voir qui est en train de m'appeler et pouvoir décrocher. Tant que je n'ai pas mis le code, je ne vais pas pouvoir décrocher et pas pouvoir savoir aussi qui est en train de m'appeler. Donc c'est tout simple. Voilà, c'est tout simple. Donc c'était vraiment une astuce rapide pour vous montrer cette application. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. N'oubliez pas de laisser un pouce si c'est le cas.